Je crois qu'on était prêts à attaquer ce match-là avec l'objectif d'aller chercher la victoire. On a travaillé très fort, on a pris des risques, on a tenté le tout pour marquer les buts. Un résultat décevant, mais je pense qu'on peut être fiers de la performance qu'on a faite. Qu'est-ce qui était vraiment la différence ce soir? Je pense qu'on avait un mindset un petit peu plus offensif, donc avec la volonté de vouloir réellement les marquer. Donc au-delà des consignes tactiques, c'était effectivement d'essayer de se rendre au but puis de tenter nos chances et avec le plus de précision possible. Donc le focus était surtout sur le dernier tiers du terrain, donc près du but adverse. Comment est-ce que tu pourrais résumer cette camp, deux matchs contre les champions du monde? Comme tu l'as dit, en fait, ce sont les championnes du monde, donc je pense qu'on peut être fiers de la performance qu'on a fait. On a eu une belle progression avec le match numéro 1 et le match numéro 2, donc je pense qu'à 7 mois de la Coupe du monde, c'est un résultat qui est positif. On a encore beaucoup de temps pour se préparer, puis il suffit de gagner au bon moment. Encore 8 mois avant le grand tournoi, qu'est-ce que vraiment on doit, avec cette performance ce soir, c'est où on doit travailler un peu? Je dirais qu'il n'y a pas nécessairement de priorité précise. Je pense qu'il y a sur tous les aspects, on a du travail à faire. Mais peut-être, oui, se concentrer là, avec davantage sur la précision dans nos dernières actions face au but adverse. Puis peut-être un petit peu plus aussi sur notre bloc équipe là, pour s'assurer qu'on soit bien compact. Merci beaucoup.